Lévitique chapitre 13, on commence la lecture à partir du verset 2 jusqu'au 5e verset. Lévitique comme au caponazome la misato, tobani l'étagne la talatala mi balé, tikino la talatala mi dame. Quel frère? Ne comme au bali moko ou azuatangi? Qui peut dire? Nani a koki kotanga? Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps inhumain, tango motomoko aposara li corona posuanzo tonaye bouton moko une date li kwanza une tache blanche to litono moko ya pembe qui ressemblera à une fleur de
lèpre. Oyo ekokani na pota ya mbala. La peau de son corps. Likolo na posone ya nzoto. On la menera au sacrificateur Aaron. Bakomemaye epai ya motumbeka Aaron. Merci. Merci pasteur. On gagne du temps, le pasteur Cyril a la difficulté de vivre. Prenons le verset 47. Lévitique 13, verset 47. Lorsqu'il aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, likolo na elamba ya lino to elamba ya poswanyama. Lévitique chapitre 14, on ajoute. Lévitique chapitre 14, on dit le verset 43. Si la pleure elle vient et fait éruption dans la maison après qu'on aille, qu'on a ôté les pierres. Ce qui pota et zongi pe et panzani nanda comme bimba na sima na kolongo la mabanga. Deuxième roi, parce qu'aujourd'hui je vais. Bakonti na mibale, pwete lezo tokolo ba penza. Deuxième roi, chapitre 5. Bakonti na mibale, mokapo na mitano. Je lis le verset 7. Natangi taratala ya sambo. Deuxième roi, 5, 7, il est écrit. Et comment ni boye? Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec vous. Luc chapitre 4. La lecture, on peut la commencer à partir du verset 19, mais moi je vais gagner le temps. Je gagne le temps parce que je compte partir aujourd'hui. Commencer à partir du verset 19. On descend jusqu'au 27e verset, mais je lis seulement le 27e verset. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, dit-on d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Et Zaraki, Batonambala, et Bélé, na Israël, Mokota, Bikaki, Soki, Kakate, Naaman, Motona, Soulia. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je vous en prie, suivez-moi parce que les mardis j'ai introduit. Aujourd'hui, je vais donner quelques détails très importants. La bonne La notion de la purification de la lèpre, c'est une notion très vaste. Voilà pourquoi j'hérésie. Il y a un, la lèpre du corps. Mbala ya nzoto. Il y a la lèpre de vêtements. Toza na mbala ya bilamba. Il y a la lèpre des objets. Toza na mbala na likolo na biloko. Il y a la lèpre des maisons. C'est-à-dire, en Israël, un homme pouvait attraper la lèpre. Le vêtement, la bilamba, n'importe quel objet pouvait être frappé aussi par la lèpre. Et loko nion sope kokaipe kobeta manambala. Et aussi la maison. Mais pourquoi nous étudions la loi de la lèpre? Parce que Dieu explique la lèpre comme l'impureté. L'impureté qui éloignait l'homme du sanctuaire. Qui faisait que l'homme soit éloigné de Dieu. Si vous vérifiez bien, parce que à partir de dimanche par la grâce du Seigneur, je vais commencer la purification, vous allez voir que les sacrificateurs devaient faire l'examen avec beaucoup de soin. Il n'était pas pressé pour purifier.
purifier quelqu'un lépré, ni pour le déclarer pur. C'est une responsabilité. J'ai toujours dit aux hommes de Dieu que nous avons la responsabilité. Donc les sacrificateurs devaient avoir les yeux pour comprendre la lèpre. Ne pas confondre la lèpre avec un simple pleure. Le Seigneur insistait sur la purification. Ah oui. On se pose la question. Ça c'était mon introduction du mardi. Je vais parler de la lèpre chez les païens. Chez le Philistin. Israël encore la lèpre. Mais nous sommes déjà sauvés. Nous sommes Israël. Nous avons la connaissance de la parole. Retenez bien ce que je veux. Israël a échoué avec l'arche. Il a négligé. Aïe. Et c'était la défaite. Avoir la connaissance de la Bible. Avoir l'explication de pourquoi, de où. C'est bien. Un petit peu échoué avec ça. Si tu n'es pas humble, si tu ne t'examines pas. Connaissance des Écritures. C'est une bonne chose. Mais la connaissance de Dieu, c'est autre chose. On a besoin de Dieu parce que Dieu ne marche pas comme les hommes. Est-ce que avez-vous remarqué quelque chose? La lèpre sur le corps. Le corps. Lèpre sur le vêtement. Lèpre sur n'importe quel objet. Vérifiez bien le texte, vous allez voir. Moïse expliquait la lèpre sur des chaînes, sur des. Tout. Vous pouvez comprendre jusque-là. Mais la maison aussi. Kasi, n'a copé les sous des huit balles. Pose maintenant la petite question. Tomi tout la motuna motuna. Où est-ce qu'on peut pas trouver la lèpre? Mais pas il n'y va pas vite comme bout d'un balan. Nulle part. Et si comme mon côté. C'est-à-dire sur la terre. Et la vie c'est dans ma belle mon pipa. La lèpre peut se retrouver partout. Bala et coqui pour soi ma bicycle nyoso. Aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, le corps que nous portons peut attraper la lèpre. Le vêtement que nous portons peut attraper. Les objets, les locaux, téléphone, tablette, tout, ça peut être frappé par la lèpre. Même nos maisons. Comment est-ce qu'une maison peut être frappée par la lèpre? Qui le dit, c'est le Seigneur. Par ces versets, nous avons compris que tout dans ce monde peut être frappé par la lèpre. On doit s'examiner chaque jour de notre vie. Qui que vous soyez, pasteur, prophète, n'importe qui peut être frappé par la lèpre. J'aime Paul, hein? J'appelle Paul frère de notre Église. Il a dit que chacun de vous s'examine. Parce que la lèpre peut toucher tout le monde. Je vis frère Pierre. Jésus est là présent. Jésus pose la question. Qu'est-ce que ces gens-là disent que moi je suis? Les gens s'éloignaient. Ils ont commencé à dire, tu es Élie, l'un des prophètes, tu es Jean-Baptiste. Il dit oui, ça ce sont les gens. Mais vous, frère Pierre dit, tu es le Messie. Christ, fils de Dieu. Christ, moi, dans la Zambé, là, bon. Waouh, Pierre. Waouh, ça, c'est le ciel qui t'en révèle. Waouh, les ciels ne sont pas la même chose. Les ciels ne sont pas la
chair ni le sang. Si cette révélation ne me retire mon église, bien elle peut se dire que maintenant je suis au ciel. Suivez-moi bien. Il pouvait se dire tout est fini. Je suis allé jusqu'au ciel. Je ne suis pas n'importe qui. Même discours. Jésus dit, le fils de l'homme va à Jérusalem. Il sera livré entre les mains des pécheurs. Pierre revient. Arrière moi, Satan. Même Pierre. Quand Pierre le mot comment le père a parlé. Oh, tata l'obélier. Le diable aussi parle. Quand Dieu peut m'appeler l'obélier. On peut donner la lèvre. Bososo Nimbala. Ça peut venir quand? Et Koki Koya Tamonini. À n'importe qui. Et pas la motonion son. Si on n'est pas prudent. Sauf qui ton sincérité. Je dis devenir pasteur. Et la vie c'était que comment on fait dans le évangélisme. Mon acquise, mon palais, c'est mon âme. Cela n'est pas la garantie que tu es épargné par la lèpre. Wana et l'obité de yo mala et kosoaote. Donc la lèpre c'est partout. Mala et sa bisika nyoso. Maintenant, nous devons être enseignés pour ne pas être frappé par la lèpre. Et si la lèpre est constante. Ça doit être traité. Voilà pourquoi, pour ceux qui écrivent, ceux qui écrivent, je vais expliquer la lèpre du corps comme le péché. Le péché ne s'arrête pas sur le corps. Ça affecte aussi les œuvres. Parce que le vêtement, ce sont les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a la lèpre. Et il y a la lèpre. Le vêtement. Et il y a la lèpre de n'importe quel objet lié à l'homme. Quand Dieu a frappé les histoires de Job, il ne frappait pas ces histoires-là. Il frappait Job. Ça, c'est la vie. Et la maison, c'est un peuple. C'est-à-dire, nous allons étudier la lèpre. Et la lèpre du vêtement, la lèpre des objets, et la lèpre de la maison. Comment un peuple a été frappé par la lèpre, et comment Dieu a remplacé les pierres. Comment est-ce qu'il a fait l'examen? Voilà. Jusque là, on se pose des questions. Comme un pasteur a posé la question à une maman de notre église. Est-ce votre pasteur? Il ne voit pas les autres termes. Macpela, place de ma vie. Dieu se trouve partout. Dans les Écritures. Merci Seigneur. Mais pourquoi nous devons étudier la lèpre? Ce n'est pas l'imagination. J'ai toujours dit, pourquoi nous étudions la lèpre? Je réponds à la question. Quand la jeune fille a constaté la lèpre, chez maman, elle part chez la mère. Parce que la femme, elle peut bien expliquer. Parce que la mère, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. La mère, c'est l'enseignement, le père, c'est l'instruction. Maman a zané l'idée, à papa a zané toli. Maintenant, quand on a expliqué, peut-être que suivez-moi très bien ici. Que le Seigneur me dise, suivez ici, redoublez votre attention. Même ceux qui me suivent à la Facebook, si vous comprenez ici, c'est fini. Naman prend le message. Naman a joui sa mobalam. Il l'amène chez le roi. Amen. Le roi
Nkumu prend les papiers. Azui Moganda. Il écrit. A commis. Donc le message de Naman, Yanaman devient et commis une lettre et commis mon candidat et comme ami. Et on a prêché les prophètes, mais Batei Mosakoli, mais le roi écrit au roi. Kasi Nkumu a commis Nkumu. Roi d'Israël, Nkumu ya Israël, je t'envoie mon serviteur Naman. Natine lio mosali na nai Naman. Qui le guérisse Israël? Yo obi ki sa na mala na e. Jusque là c'est normal. Tiki no sa sa ipeza makambo e salema. J'ai dit il faut me suivre. Na lobi te yo talanga landa na ina. Naman vient avec la lettre. Naman aye na mokanda. Il a question de qui? Ezali ka monani? De Naman. Ya Naman. Donc dès l'introduction, jusqu'à la conclusion, il est question d'un nom. Naman qui doit être purifié. Amen. Qui est-il de prendre le livre? C'est le roi. Le roi prend le livre. Quand il lit, voilà là où ça devient sûr. Il déchire les vêtements. Quel message qui peut déchirer les vêtements du roi? La purification de la lèpre. Dis-moi, je ne suis pas Dieu pour guérir un homme de sa lèpre. C'est-à-dire que celui qui peut guérir un homme de la lèpre, la lèpre du corps, des objets de la maison, ce n'est pas un nom, c'est Dieu. Amen. Moïse avait raison. Moïse a dit Natina Ordika. Alobete Ordika. Matonambala, Ibanda Morako. Et il dit si quelqu'un est purifié Ordika. P. Alobete Sogi Motape Tonami Ibanda Morako. Comment quelqu'un est purifié Ordika? Nini Motazi, Moïse savait que la purification se fera là. Moïse est qui était Kunane. Dans mon ministère, je n'ai pas la purification. Mais quelqu'un viendra hors du camp. Il va vous purifier là-bas. Ah, madame. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas Dieu. Pour purifier quelqu'un de sa lèvre. Le Seigneur vous bénisse. Vous me suivez ici là-bas. Vous me suivez. Qui peut purifier quelqu'un de la lèvre? Cette question-là est restée comme ça en suspense. La question-là, la purification de la lèpre, est restée en suspense. Quand les rois déchirent les vêtements, les prophètes sont. Je l'expliquerai. Il dit que Naman vient ici. Il va comprendre qu'en Israël il y a un prophète. Naman arrive. Naman dans ses raisonnements. Qu'est-ce que nous étudions? La purification de la lèvre, n'est-ce pas? Voilà la démarche. Un, yambo. La jeune fille. Et moi deux, yami balé. Maman. Maman. Trois, yami sato. Le roi. Kumu. Quatre, yami nei. Les prophètes. Mosakoli. Cinq, yami tano. Jourdain. Be maïna yusourdain. À part 5, il n'y a pas 6. Et Zaka Kamitano et Zamotobate. Maintenant, Naman est là. Ben Naman Wana. Bon, je sais que le prophète va sortir. Alors, il est mon savoir. Il me touchera. A Kosimba Simba. C'est la prophétie. Wane il sakoli. Va me toucher. A Kosimba Gaï. Non, Naman. Et Naman. Si le prophète touche, lui aussi sera contaminé. Ce qui m'a sakola, si Mbala Wane Gozoye. Je croyais qu'il allait sortir. Nakamisa qui est à Kobima. Mais le prophète est resté dans sa main. Kasimo Sakola Tika n'a pas de. Je dis aux gens qui cherchent le prophète aujourd'hui par des visions. En tout cas, c'est une grosse erreur. Le prophète est resté dans le ciel jusqu'à la purification de la lèpre. Si on est ministre prophète, on n'est pas prophète majeur. Il dit que Géasi, viens. Va dire à Naman. Le prophète aujourd'hui, c'est Jourdain. Et j'en ai maille la journée. Ah.
Naaman dit, hein? Naaman a dit, hein? Moi? Ngaï? Il y a d'autres fleuves là-bas. Non. Mais ils ont un bibale et moussous, n'ambo kanangaï. Mais tous ces fleuves-là ne purifient pas. Kasi bibale et nous, on s'en est fait. On a compris que. To, basso, la le roi avait raison de dire. Nkoumoua, ça la guette, n'a pas. Un homme ne peut pas purifier. Et des motos n'en souniens, quoi, 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 on cherchait maintenant cet homme-là. Pébalouka, cet homme. Jésus entre dans les temps. Voilà la réponse à la question du monde. Il prend le rouleau. L'Esprit du Seigneur me suit. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour envoyer libre les prisonniers. Ouvrir les yeux aux enfants. Quand il termine la lecture, il ferme le rouleau. Il remercie Messie. Il dit, alobi, cette portion de l'écriture. J'aime Jésus. C'est une prêche de Jésus. Jésus prêche Jésus. Il dit, cette portion de l'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est-à-dire, l'écriture est sortie dans le rouleau. Il est rentré chez le propriétaire. Maintenant les gens regardent. Cette portion de l'écriture est accomplie. C'est accompli aujourd'hui. Et comment? La bonne nouvelle. Voilà maintenant comment est-ce qu'il répond. Je vous dis qu'au temps d'Élysée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Aucun d'eux n'était purifié, sauf Naaman et les Syriens. Vous allez me dire, médecin, sois un peu calme. Nous sommes partis de la bonne nouvelle jusqu'à Naaman. Comment? Le médecin, le Jourdain qui a guéri Naaman, c'était un médecin. Et ce médecin-là, c'était le Seigneur Jésus. On a compris que Jésus-Christ, c'est la réponse à la question du roi. Le roi disait, un homme ne peut pas pire. Je vous dis que Jésus-Christ était Dieu. Il est Dieu véritable. C'est celui qui peut guérir les gens de la lèpre. On a compris que la lèpre, c'était pas l'affaire de la maladie. C'était la nature de l'homme. C'était le péché. Le ministère de Moïse était incapable de traiter. Le temps, mon amour, c'est ça qui n'a pas compris. Sauf Jésus-Christ. Le seul. Il a dit. Alobi. Il voit quelqu'un. Amoni Motomoko. J'aime ce frère-là. Paralytique. Mon kakatani. Il regarde ce monsieur. Atali mo kakatani wa. Tes péchés sont pardonnés. Alobe de tika masumu lo limisa. Jésus là. Te Yesu. Tu n'as pas bien. Et wano ke musika moni bala. Lui n'a pas de problème du péché. Ye azan li kamali sumu da. Lui c'est pour qu'il marche. Ye adambo la gadai. Reçois la guérison. Ya ma. Reçois le miracle. Ya ma bikamo. Mais Jésus ne prêche pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Yesu azote a telo kana babate la. Il examine. A ye kolina no moto. Kopa. Avec qui? La paralysie. Kozama ko boto. Ce qui a causé ça. O esali yango. De péché. Il a vu la lèpre. Les gens qui étaient là sont dit. Oh, jamais. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Il n'y a que Dieu qui peut purifier la lèpre. Un homme ne peut pas purifier la lèpre. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Ils avaient raison. Parce qu'un homme ne peut pas ôter la lèpre. Un homme ne peut pas pardonner le péché. Jésus entre dans leur pensée. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Qui est ce Fils de l'homme? C'est Dieu qui le cherchait. Allez, prends ton lit. Allez. C'est bien, c'est prends le lit. C'est l'explication que le Dieu l'a esprit. A pris corps qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire que c'est lui seul qui pouvait purifier. On a compris que
La loi de la lèpre, c'est la pensée de la rédaction. Suivez avant qu'on monte quelques degrés. Landa yamboto matabosanda. Ça c'est le camp. Oh les animaux monaco. On attrape la lèpre dans les camps. Bazui mala na kati na monaco. Tu es chassé hors du camp. Babengano libanda na monaco. Quand tu es chassé hors du camp. Tangu babengano libanda na monaco. Qui va te traiter? Nani akobikisa yo? Qui va guérir la lèpre? Nani akobikisa mbala? Il faut quelqu'un qui est capable et Seigneur qui moto moko bazana makobi de te suivre hors du camp. Alanda o libanda na molapo. Voilà le plan de la rédaction. Tala mabongisa lisiko. Donc, il doit être capable et Seigneur kazana makobi de sortir hors du camp. Yakobima libanda na molapo. De ne pas être contaminé et te yazwa mbala wana pour te faire rentrer dans les camps. Aucun prophète n'est capable. Ni Jérémie, ni Ézéchiel, ni Daniel, mais un homme est venu. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Où est-ce qu'on l'a crucifié? Hors du camp. Hors du camp. Parce qu'il devait aller guérir la lèpre. C'est-à-dire, si Moïse renvoyait les gens hors du camp, ceux qui m'ont s'abéné, qui battent les bandes, ils savaient que la guérison proviendra hors du camp. Comment est-ce qu'il va faire ce monsieur? Le sacrificateur sortira. Il va examiner. Il va déclarer quelqu'un pur en tout cas. Il va prendre l'oiseau, égorger l'autre oiseau, laisser vivant. Il y a pour moi rempli du sang. C'est-à-dire il y a la mort et la résurrection pour que moi je rentre dans les camps. Et un homme, Jésus, est allé hors du camp. Il est mort quand la chair est rendue vivante, quand l'esprit, pour que les lèpreux rentrent dans les camps. C'est-à-dire que la purification de la lèpre, c'est la marche de la rétablissement. Tout le monde a compris ça? Là maintenant, on peut monter quelqu'un. Premier cas, efface ici seulement. Nous sommes dans le premier cas de la lèpre parce que il faut faire un examen approprié de la lèpre. Vous voyez une tache. Au moni litono moko. Plé. Au moni pota. Quelque chose de semblable à la lèpre. Et loko moko et kokani nambala. On n'a pas encore vu la lèpre. Nanu ba moni malade. Mais on a remarqué quelque chose. Kasi ba moni et loko moko. Ce que je dis et je veux me répéter. Oh na loba ki pe na koloba moni. Ici. Awa. Parce que nous sommes l'église du Seigneur. Oui, t'es aux églises à la lèpre. Les yeux du sacrificateur contrôlent tout. Tu ne vas pas dire, c'est ma vie privée. La vie privée n'existe pas en Israël. Même si un bouton sort, le sacrificateur va être. C'est-à-dire, quand je viens dans l'église, je dois me rendre compte que Dieu veille sur tout dans ma vie. Je ne suis pas libre comme beaucoup de gens pensent. Liberté par rapport au péché, mais par rapport à la doctrine, tu peux pas porter n'importe quoi. Yo, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas te marier. Parce que les yeux du sacrificateur veillent sur tout. Et là en Israël, une tache du tonomoko. Le poil a changé la couleur. Pe kunja posanzoto le bongwani le bongo le sacrificateur va être. Nanganzambe sike la tana ngomalam. Poani ni bongo. Vous avez le premier cas, c'est-à-dire il y a des taches. Tozana ni kambo la yambe. Tozana va mabono. Pota on se soupçonne que c'est la lèpre. Pe bazali koloba ete ezali ne mala. On va amener ce monsieur sur le sacrifice. Voilà ce que le sacrificateur va faire. Il va examiner la plaie. Il est enseigné sur les plaies. Un pasteur qui n'a pas la connaissance du pleu. Son église ne sera pas belle devant le Seigneur. Parce que Frère Paul dit, il faut faire pareil.
l'église Saint-Pâques. Ces derniers jours, on a suivi. Ici, il n'y a pas de problème des derniers jours. Nous prêchons l'évangile qui a été prêché au commencement. Non, bon, écoutez, nous, on doit aussi évoluer. L'évolution, c'est pour les hommes. Mais le soleil, depuis que Dieu a créé le soleil, ça n'a jamais vu. Dans l'évangile, doit être prêché tel que le commencement nous a dit. C'est-à-dire, les pasteurs doivent avoir les yeux. C'est-à-dire, si quelqu'un ne peut pas venir comme il veut, il doit sortir comme il veut. Non. L'enseignement doit examiner tout. L'idée c'est l'homme négligent. L'homme faible. S'il n'y a pas l'enseignement qui contrôle la vie des gens, nous aurons l'église des impudiques, des escrocs. Parce que tout celui qui entre dans l'église n'est pas sauvé. Il y a aussi des lépreux. Les pasteurs ne doivent pas dire, non, tu dois avoir les yeux de vérifier. Non, il faut mieux supporter la gamme. Et les yeux, ce n'est pas seulement pour le peuple. Mais je vous ai toujours enseigné. La terre a dit que Salomon soulève l'épée. Quand Salomon a tombé, lui aussi est soumis à l'épée. Quand la doctrine est enseignée, même les femmes du pasteur doivent être soumises à la doctrine. La doctrine, ce n'est pas pour un groupe de gens. L'épée, c'est comme la colonne du feu. Conduit tout le monde. Qui que vous soyez. Même les pasteurs. J'aime la sœur là. Samaritaine. Qui a résisté à Jésus. Histoire qui est plus que Jacob notre père. Qui a bu cette eau. Voilà. C'est Jacob qui a creusé le puits. Il a bu lui-même avec son troupeau. Jésus, quand il creuse le puits, lui-même boit, nous les troupeaux, nous buvons, nous ses enfants, nous buvons. Si le pasteur prêche, tu creuses le puits, si toi aussi bois, amen. C'est ce que le brigand a dit à Jésus. Sauve-toi. Cela ne veut pas dire prêcher une chose, vivre autre. Ça, c'est la lèpre. Amen. Je vous ai dit le mardi. Peut-être vous n'allez plus revenir. Ici, c'est la lèpre pour que la tâche soit bien examinée. Je vais continuer. On fait les titres. Si pourtant aujourd'hui je ne prêche pas comme les mardis. Il y a des tâches. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera? On a constaté la tâche chez un homme. Le sacrificateur viendra. Suivez-moi. Il vient faire quoi? Examiner. Les sacrificateurs examinent. Non, la lèpre. Ok? Il examine des tâches. Parce que nous, avant de voir la lèpre, il y a des symptômes qui sont sur la lèpre. Je veux parler de thérapeute. Quelqu'un qui crie. Quelqu'un qui se chamaille tous les jours. Il est prêt à se battre. Les signes que vous voyez là, ce sont les symptômes de la lèpre.
Oh, le vrai problème de l'homme. Il examine. Ayekoli. Mais quelle patience, Jésus. Il regarde, il dit bon. Atali à l'obité. Qu'est-ce que je veux faire? Ni naosa. Il enferme ce messie. Akangeli ndekoi. Premier jour. Mokolo a eu deux. Yami balé. Trois. Yami sa quatre. Yami cinq. Yami six. Septième jour. Sambo. Il vient de nouveau. Aïe, il soussou. Remarquez ce mouvement. Il est venu première fois. Aïe, pour examiner. Pour examiner quoi? Examiner quoi? Des taches. Des boutons. Mais deuxième fois, il vient pour comprendre. Aïe, pour être assosola. Ce qu'il avait dit, c'était la lèpre. Ce qui est mon ami Yango, c'est là qu'il est mal. Ok? Ok. Comment comprendre que c'est la lèpre? Passer la tâche. N'entre pas dans la peau. Dans la chair. Ça reste à l'extérieur. Mais la lèpre, c'est à l'intérieur. Pourquoi Moïse dit, si les pois changent la couleur, ce qui la poussée, si il y a la plaie derrière, ce qui porte et salit les boulots. C'est-à-dire, la faiblesse que vous voyez, ça vient de l'intérieur. Et où tu es la carte, ça pénètre de l'intérieur. Ils ont compte dans la carte. Ce monsieur, est le prêt. Il est à sa hors du camp. Mais, Kasi, s'il vient, ce cahier, il trouve que bon, à Kouti, la plaie ne s'est pas vraiment étendue. Il accordera à Kopé Salisous un autre septième jour. C'est-à-dire qu'il y a la patience. Combien de venus? Première venue. Deuxième venue. Et troisième venue. C'est pour le jugement final. Si quelqu'un a péché, va toi-même. Parle avec lui. Si il ne t'écoute pas, appelle une autre. Vous devenez combien? Deux. Si il n'écoute pas, déclare-le à l'église. Il est païen. Sodome a péché. Sodome a soumouki contre Dieu. Tu as dit non. Je ne peux pas les condamner comme ça. Il est descendu. Abraham a vu trois personnes. Mais il appelle mon Seigneur. Il a vu le mouvement de l'aigle. Avec un bon. Mais dans le repos, ça devient un. Yes. Il dit mon Seigneur. Maintenant, le Seigneur là. Voilà ce qu'il fait. Il sort avec Abraham. Abraham. Sur l'arbre. La sainte cité. Parce qu'il y a la tente d'Abraham. Il y a l'arbre d'Abraham. Il sort un peu avec Abraham. C'était là. Il est resté un. Et les deux sont descendus dans son temple. Pourquoi ils sont allés? C'est pour examiner la lèpre. C'est ce que Dieu a attendu. Est vrai. Et Moïse dit, l'Éternel est resté avec Abraham. L'Éternel est descendu à son temple. Qui est descendu à son temple? C'est l'Éternel sous la forme de Dieu. Mais qui est resté avec Abraham? C'est l'Éternel. Yahweh. Cela veut dire quoi, un héritier? Et les gars, quand
Quand les deux prêchaient dans Sodome, Abraham a intercédé. Ici, c'est l'autel. Et remarquez l'intercession d'Abraham. Il a intercédé sept fois. Mais il intercédait seulement pour Sodome. Je veux vous dire qu'au ciel, il y a un intercesseur. Il intercède pour nous. Mais sur la terre, il est aussi prédicateur. Celui qui prêche sur la terre, c'est le même qui intercède pour nous. Exactement ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire que là, vous allez voir Dieu, il est descendu, il a examiné, il est revenu. Pour la deuxième fois, pour mettre à côté celui qui était impie, mais pour garder encore celui qui est impie. Mais avec l'espérance que le dernier sept jours m'amènerait à la perfection. Oh, j'aime ça. Quand Dieu est descendu dans le jardin de terre, il était descendu pour examiner la lèpre. Parce qu'il a dit, il n'a pas directement dit. Attends, tu es péché. Non. Tu es péché. Tu es péché. Non. Il commence l'examen de septembre. Quels sont les septembre? La fuite de la présence de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Si la lèpre commence à les toucher, dans des gènes de prière, vous allez voir qu'il est devenu froid. Mais quelqu'un, si la lèpre le frappe, il est toujours dans les ailes. Ça, c'est pas la semence de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il pêche, quand il débiche, il y aura toujours des septembres. Mais quelqu'un qui persévère dans la lèpre, Dieu ne connaît pas. Il faut encore du travail pour lui. Et c'est que Jésus se montre. Parce que si tu vois quelqu'un en Israël avec la lèpre, comprends que c'est un étranger. Parce qu'en Israël, les villes étaient clôturées. Et des villes avaient des portes. Et avant d'entrer dans la ville, il y avait les anciens qui examinaient. Là, avant d'ouvrir la porte, regarde ta façon de t'habiller. Parce que les juifs avaient leur façon de s'habiller. Les vierges s'habillaient comment? Tiens, de quelle tribu? Yo, Osa et Colonie. Manassé. Manassé. Tu viens d'où? Ousua. Entre. Kota. Mais si on voit la lettre, mais si un étranger vient, mais ceux qui m'ont payé, on regarde seulement sa façon de s'habiller. Batalika l'olenge na kota. C'est qui? Osana. Naman. Entre. Naman. Kota. Amen. Kota. Yo, lika moza. Là, pourquoi dans notre église? Y'a mon talent l'église, c'est la vie. Ne ferme pas la porte à n'importe qui. Donc, quand il y a mon talent, c'est pour que laisser les gens venir. Il faut que l'évangile soit capable d'attirer même la femme prostituée. La femme prostituée n'a pas eu l'hésitation de s'approcher vers Jésus. Elle est venue. Là, elle a rencontré Jésus. Passé, elle est allée au pied pour devenir le marche-pied. À la sortie, elle n'était plus la femme prostituée. L'évangile doit attirer tout le monde. C'est comme Salomon, quand il est devenu roi, les arbres quittaient les pays étrangers à l'aide à Jérusalem. Vous connaissez ces arbres? C'est nous. Merci Seigneur parce que ce n'était pas n'importe quel arbre. On ne partait pas couper parce que Salomon a besoin de bois. Coupez ça. On coupait ce que Salomon connaissait d'avance. Salomon a écrit. Salomon a J'ai besoin de cèdre. J'ai besoin de tel bois. Maintenant, quand vous allez, vous voyez, ça c'est quoi? Bois noir. Vous êtes un ça c'est quoi? Vous êtes ça c'est quoi? Même si c'est un bon bois. Mais Salomon ne connaît pas ce nom. Ça c'est pas simple. Oh,
même si je suis court, on me coupe parce que Salomon me coupe. Ça c'est quoi? C'est de couper. C'est que Dieu a appelé d'avance. Il les a appelés. Dès que si l'évangile ne se coupe pas, c'est que Dieu ne te connaissait pas. Il faut que l'évangile me coupe pour me ramener dans la présence du Seigneur. Exactement ce que je veux dire. L'évangile doit rassembler tout le monde. Ça va attirer tout le monde. Nous sommes inscrits dans l'évangile. Il y a la vie et la purification. Je suis contre les gens qui aiment les autres. Dieu a dit ceci à l'Israël. Vous étiez aussi des Égyptiens. Vous étiez aussi en Égypte. Ne méprisez pas les Égyptiens. Si toi es aveugle, tu mets la pierre d'achoppement devant lui. Lui qui ne voit pas. Si maudit est sourd. Là, je parle dans notre dialecte. Hein. Un sourd qui n'attend rien. Dis le maudit. Il y a des frères qui disent bon, nous allons livrer le frère qui a chanté ça. Oh. C'est un sourd. Il n'est pas votre frère. Vous allez le juger par rapport à quoi? Donc, si j'enseigne ici, je prends telle église, telle église, telle église, ils ne sont pas ici. Ça va leur faire quoi? Mais il faut que l'évangile soit capable de les attirer. Quand ils seront venus ici, il y a Jourdain qui va les visiter. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai mis un peu de la balustrade là-bas. Les autres assemblées de saints, les diacres sont là-bas pour vérifier les gens. Un homme ne peut pas convaincre une personne. Mais un juif, on te vérifie. Je rentre là. Quel est le Seigneur? On a compris? Vous me comprenez? Allons-y. Okay. Il est venu pour la première fois constater. La deuxième fois, c'est pour excommunier et pour garder. Suivez cette deuxième fois ici. J'aimerais que Dieu vous accorde l'intelligence, même le feu qui me suit partout. L'intelligence. Première sept jours, c'était l'examen. Et après ces sept jours-là, quand la lèpre est constatée, mais si la lèpre n'est pas vraiment constatée, on t'accorde un autre sept. Ça, c'est la faveur du sacrificateur. Ça, c'est la grâce du sacrificateur. Je vais parler avec Frère Paul. Craignez Obanga. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Dieu qui est descendu dans les jardins de l'Éternel. Parce que Dieu, suivez ce qu'il faisait. Là, je vais balancer un peu les nuées. Dieu a commencé la marche. Il se promenait sur les eaux. Ok? Mais quand il a créé l'homme, on l'a vu avec un agneau. C'est-à-dire que celui qui a commencé sur les eaux, et il termine la première dispensation par l'agneau. Et quand l'arche de Noé, c'est mon feu au-dessus. C'était l'Éternel au commencement. Qui a terminé la marche sur la montagne? Quand Jésus est venu, il a terminé la marche sur la montagne de Golgotha. C'était la fin de la marche pour que l'examen soit complet. Marche. Il a vérifié l'homme dans le jardin de l'homme. Il a compris que il faut accorder encore le temps. Quand Jésus arrive,
Il est venu pour la continuité de ce qu'il avait fait auparavant. Vérifiez. Voilà ce qu'il fait. En Israël. Je n'ai pas trouvé cette foi. Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Votre maison vous sera laissée de. C'est-à-dire qu'Israël, sa maison a été frappée de la lèpre. Tous les objets frappés de la lèpre. Le vêtement frappé de la lèpre. Le corps frappé de la lèpre. Parce que les symptômes ont produit la plaie. Le péché d'Israël. Parce qu'il n'a pas reconnu. Suivez-moi très bien. Quand j'ai la plaie de la lèpre, je la garde. La lèpre continue. Si je me révèle, la lèpre sera trouvée. Maintenant, Israël n'acceptait pas que la lèpre soit manifestée. Il cachait la lèpre. Alors que devant eux, c'était un sacrificateur qui pouvait bénéficier. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il purifiait les lèpres, il les envoyait chez les sacrificateurs. Pour donner la preuve que les corps liés là, qui purifiait, a pris un corps qui marche au milieu de vous, qui s'appelle Jésus-Christ. Ils ont vu les lèpres purifiés, mais ils n'ont pas pris à cet homme qui purifiait. Alors que Moïse leur disait que tout peut devenir impur à part la semence. Tout peut devenir impur à part la source. Mais quand Jésus est venu, il a dit que c'était lui la semence qui devait être semée. Le dernier jour de la fête, il a dit venez à moi. C'est lui la source. C'est-à-dire que la source, la sémence qui ne pouvait pas être impure, c'était le Seigneur Jésus. Mais quand il est venu, remarquez, Israël a été excommunié. Israël mis à côté. Parce que la lèpre, Christ dit, Christ l'a dit. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Les péchés étaient là. L'incrédulité était là. Qui produisait de mauvaises vies. Quelqu'un ne peut pas dire que je crois en Seigneur Jésus-Christ qui vit dans les petits cités. C'est un incrédule. Ils n'ont pas crié à la parole. C'est lui qui croit à la parole. Il se soumet à la parole. Et je ne crée pas Dieu pour qu'il me bénisse. Je ne crée pas Dieu pour garder mon mariage. Mais je crée Dieu parce que j'ai la semence de Dieu dans moi. Quel que soit le prix à payer, la semence restera là. Amen. C'est ça que Shadrach, Meshach, Abednego ont dit. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer entre temps. Sinon, il peut nous délivrer. Mais si il ne nous délivre pas, s'il si acceptait que nous mourions, sache que roi, nous n'allons pas nous prosterner. C'est ça la sémence. Voilà, ils ont des problèmes. Ce ne sont pas des circonstances. Ils ont des macambotés. La lèpre m'a beaucoup non embala a fait qu'Israël soit chassé. C'est ça qui est Israël va dégainer. Maintenant par la grâce, voilà là où nous sommes entrés. Donc on est à un endroit dans le monde où il y a maintenant un autre sept jours. Namikolo sambo mosus. C'est ça que frère Paul dit dans Hébreu. Il y a un autre Thomas pour le bien d'Abraham. Il y a un autre sabbat qui est réservé. Parce que le premier sabbat que Dieu a donné à Israël, il n'est pas entré. Quand un homme dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. C'était lui le premier sabbat. Israël n'est pas entré. Mais il y a un autre sabbat, un autre septième jour que Dieu a préparé pour son église aujourd'hui. C'est tel que nous sommes ici. Le lingue n'est que Tala,
Je te dis des choses près. Dieu ne nous laisse pas seulement pour aller en Europe. Non. Dieu ne nous laisse pas pour avoir l'argent. Non. Dieu ne nous laisse pas pour acheter des parcelles de voiture. Non. Dieu nous laisse vivants parce qu'il est patient et que les tâches qu'il voit dans nous soient purifiées pour que nous soyons une femme sans tâche. Là, je précise, ni ripe. L'église du Seigneur, hein, ça peut faire 2000 à 4000 ans sur la terre. Oui, et comme ça, la banque de comme la sœur Sarah, elle a gardé la démarche, la taille, la forme, l'église, c'est pas seulement on regarde comme ça. Ils ont la connaissance. Basan aboye démarche. Non. On a dit ceci. Alobi boye, la plus belle des femmes. Moi, sur l'église, sinon sur la bonne. Si tu veux trouver ton mari, sors. Bima, cherche les traces des brebis. Luka madame ya mampate. Ne te crée pas un chemin à part. Je suis contre le pasteur. Dieu ne passera jamais par le chemin des hommes. Il respecte son chemin. Et le chemin de Dieu, c'est la parole. Le jour où Dieu va changer sa parole, il ne sera plus Dieu. C'est-à-dire qu'il est sulamite. Doit suivre les traces de brebis pour aller rencontrer le bien-aimé. Nous devons suivre les traces de Jean. La patience de Jean. La persévérance de Lui. C'est-à-dire que tous les prophètes que nous lisons dans la Bible, ce sont les traces de brebis. Nous sommes appelés à suivre jusqu'à rencontrer les Seigneur. Je veux dire quoi aujourd'hui? Si Dieu nous laisse vivants, parce qu'il sait qu'il y a encore des tâches. Maintenant, je veux m'examiner là. On ne se trompe pas. Ma tâche, peut-être ce n'est pas la tâche de mérite. Si moi je suis premier à regarder, il a la tâche noire ici. Peut-être toi tu as la tâche cachée là-bas. Les autres sont gentils dans la bouche, mais le cœur des rancunes. Nous avons vu des gens comme ça. Dieu m'a appris de ne pas plaire aux hommes. Ne fais pas le bien pour que les hommes t'apprécient. Le cœur de l'homme est rempli de la lèpre. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hypocrites dans des églises? C'est parce que les gens n'ont pas compris la lèpre. Ils ont compris que dans les corps, il y a la lèpre. Dans les vêtements, il y a la lèpre. Les objets, il y a la lèpre. Dans la maison, il y a la lèpre. Je dois avoir les yeux pour examiner alors que la lèpre n'entre pas. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous attendons? Que Christ vienne pour que la femme soit présente. Et le frère Paul dit que s'est donné pour sa femme afin de faire paraître cette église. Sa tâche. Il mérite. Il n'y a rien de semblable. C'est-à-dire que ce qui est semblable, c'est ça les différentes formes de lèpre. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime le faire Paul. Voilà comment est-ce qu'il résume la lèpre. Je vais le résumer et nous allons prier. Voilà ce que je veux dire. Voilà comment est-ce qu'il a prêché. Il dit, je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu.
De même que les serpents séduisent Eve. Je peux que vous soyez ici. Que vous recevez un autre évangile. Vous voyez? Un autre esprit. Que vous acceptez un autre Christ. À part l'évangile que Paul prêchait, il y a un autre évangile. Et s'il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Christ. Et parce qu'il y a un autre évangile, le un autre esprit, un autre Christ qui produit les mauvaises zèles. Les gens partent dans l'église depuis le matin, ils rentrent le soir en train de danser. C'est pas les ailes de Dieu. C'est pas les ailes de Dieu. N'imitez pas toutes choses. Si vous comprenez que l'enseignement qui produit ces œuvres là ne vient pas de Dieu. L'idée, mais si moi je reçois la vraie parole, quelle bonne œuvre je peux la manifester. C'est-à-dire que la lèpre et la vie c'est du corps, du vêtement, des objets, des maisons sont résumés aujourd'hui à la vie du péché, les œuvres, un peuple, notre vie entière. Alors l'évangile doit nous aider à nous examiner. Écoute-moi très bien. Nous voulons prier. Si quelqu'un ne fait pas l'examen de soi-même, dis pas amen pour l'autre. Parce que personne n'est épargné de la lèpre. Personne n'est épargné de la lèpre. Parce que beaucoup de gens qui disent amen à tal monde. Amen. Non. La lèpre c'est pour tout le monde. Tu vois. Et chacun de nous s'examine. Je veux que la prédication de ce soir te pousse à te faire examiner. Aujourd'hui nous prions beaucoup, il n'y a pas de réponse. Dieu trouve l'impureté. C'est ce que nous faisons. Même dans la prière, il y a la lèpre. Je suis resté seul. Mais il y a la lèpre. Tout le monde est marié. Amen. Yonanani. Parce que tu es. C'est que Dieu dit que tu es. Aux alliés, on par rapport aux autres. Si je dois rester 25 ans comme Abraham pour attendre Isaac, je resterai parce que moi je ne suis pas l'autre qui a trouvé la vie dans la facilité. Je ne me compare pas aux autres. Si je suis baptisé, j'écris Jésus et pitié de moi. Il m'appelle directement. Merci Seigneur. Mais si elle mérite, si ce que mérite, c'est la femme de la perte du sang. Qui veut voir Jésus? Il n'y a pas le chemin. Qui ne dise pas pour sa politique au tac. Moi, des difficultés comme ça. Vas-y. Bien qu'il y ait des cafouillages, vas-y. Chacun de nous a sa façon de rencontrer Jésus. Si c'est moi le paralytique, il n'y a pas le chemin. Je resterai là. Dieu va m'indiquer qu'il y a un autre chemin sur la table. Tu n'es pas appelé à prier comme tout le monde prie. Tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde vit. Tu es particulier. Tu es spécial devant le Seigneur. Que la lèpre ne domine pas ton cœur. Les gens prient dans la lèpre. Seigneur, si tu ne fais pas, 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 Se
Tu n'as pas besoin que la lèpre, parce que la lèpre entre même dans les prières. Ça, c'est la lèpre, parce qu'elle est écrit pardonné. Priez même pour vos ennemis. Les gens ont des rancunes aujourd'hui, c'est-à-dire que ce roi, t'as le frère, mais le Seigneur dit, malheur à vous quand tous les hommes parleront du bien de vous. Si quelqu'un me critique, je vais dire le Seigneur parce que les petits sont à Dieu doit nous enseigner d'éviter la lèpre, parce que tout le monde me dit. Il y a les lèpres cachées. Parfois l'étape que tu traverses là, c'est Dieu qui a permis pour que la lèpre qui est à l'intérieur là soit manifestée. Nous voulons prier. Ça, j'insiste. Beaucoup de gens sont frappés par la lèpre. C'est plus combien 40 jours. Yo, ça me la prière. Mais la prière de quelle motivation? Ben, le sang dans le nez de la lèpre. Yambala. C'est bien plus famille, la plus vous tenez banagaté. Quand le tous arrête. Pourquoi ils ont le sang dans la lèpre? Toi, tu pries pour que les gens, maman, appelle famille, la plus longue zalana. Oh. Alléluia. Amen. Seigneur, non. Il faut être enseigné avec la bonne conscience. Que le Seigneur vous bénisse. Écoute-moi. Ne force pas Dieu. Comprends qu'il est souverain. Il te conseille. Tu dois supporter même les critiques. Si on me critique, ce qui va tomber, je dois m'examiner. La comita, est-ce qu'il y a la lèpre? Parce que Dieu ne voir la lèpre comme ça chez les autres. Que moi je ne vois pas. David Kachimé, il parlait mal de lui. Quand Chimé, le bâtiment m'appelle pour la dame. On descend. Ah, mon tour m'a dit là. Mon bon mi. Laisse. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut avoir le cœur de supporter. Peut-être ça peut être le chemin que Dieu a préparé pour nous. Je vous donne le sujet de prière parce que nous voulons. Quand tu lis Genèse, tu verras ce que Joseph dit. Ses frères l'ont vendu. Mais allez dans la repentance de ce frère. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est le péché. Qui nous tombe sur nous. Quand notre frère criait, on ne veut pas écouter. Le psalmiste chante. Hein? Il est descendu en Égypte avec le fer. Mais à la fin, Joseph dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est Dieu. Donc Dieu a envoyé Joseph par la justice, par la jalousie, par la critique, par la trahison. Qui pouvait justifier Joseph devant la femme de Potiphar? Prenez les OPJ. Les magistrats, les juges de ce monde. Et la femme crie avec le vêtement. Cet esclave hébreu. Calme, impudique, violent. Mais dans son cœur, qui pouvait les comprendre? Qui pouvait les croire? Dieu peut permettre d'autres choses pour ôter la lèpre de l'orgueil. Pour ôter la lèpre que tout est bien. Mais nous devons nous humilier. Seigneur, fais-nous grâce. Daniel dans Babylone. Daniel dans Babylone. Il n'a pas invoqué le feu pour Nabucodonosor. Le feu. Le feu. Pour Babylone. Non. Seigneur. Si nous sommes éloignés. De la ville sainte. Il y a un Ngumba Isan. Si on t'a pas écouté. Il y a quelqu'un qui a toujours la raison. Je suis un peu plus de temps.
Donc si Dieu ne répond pas, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a la lèpre ou pas? S'il y a la lèpre, humilie-toi le Seigneur. Ce qui nous a mis à ce pays, c'est notre mitouna mutouna. Mbala ezak ezak. Ce qui mbala ezali, nikiti ça. Quel est le Seigneur vous? Si que c'est ça, papa. Levez-vous s'il vous plaît. Quel est le Seigneur pour votre Dieu? Nous allons prier. Chacun de nous dira un mot devant le Seigneur. Quelques minutes parce qu'on doit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Prépare ton cœur s'il y a la lèpre. Demande au Seigneur de te purifier. Au nom du Seigneur Jésus, je prie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions.